Merci de nous retrouver pour la suite de votre programme TV en direct du plateau du Gène Carpe pendant cette 12e édition du Forum de Montluçon de la Carpe et du Silure. Et je reçois avec plaisir un pêcheur assez technique, assez complet, en plus d'être un de mes amis personnels, Florian Rabillou. Bonjour Florian. Bonjour Stéphane. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Je te sais aussi très occupé sur le salon, mais tu as accepté de venir te présenter puis nous parler un petit peu de ta pêche et tu nous as amené en plus quelques très jolies photos. Je te laisse en quelques mots te présenter. Merci Stéphane. Donc ça fait... Je travaille à Avenir Pêche 01 et ainsi que Macon Pêche 71. Donc c'est deux magasins de pêche qui existent depuis 20 ans. Donc je suis aussi gérant du site Achat Simo. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai intégré le Team Fun Fishing. Ça fait environ une douzaine d'années que je pêche la carpe. Donc c'est un poisson qui m'a toujours attiré par son intelligence. Et c'est un poisson qui évolue tout le temps. Il faut changer, tout le temps changer de technique pour pouvoir l'attraper. Et puis ça fait environ 6 ans, un peu plus de 6 ans que je me suis mis à la pêche de l'esturgeon. C'est un poisson qui m'a attiré par sa combativité et surtout par sa beauté. Bien sûr. Alors, en plus, tu nous as fait le plaisir d'amener quelques photos pour retracer un petit peu ton cursus, ton CV de pêcheur. Carnassier, une période carnassier avec quelques très belles photos que tu nous as amenées. Oui, oui. Donc, ouais, c'est... Un beau spécimen. Entre quelques carpes, quand il n'y avait pas de touche, on a pêché un peu le carnassier pour s'occuper. Ouais. C'est juste en fait pour vous prouver que Florent était vraiment un pêcheur accompli, très technique, très complet. Et regardez encore, il nous a vraiment fait le plaisir de plusieurs prises de vue. Donc on va passer un petit peu la période carnassier que tu as eue, dont tu nous fais bénéficier avec ces photos. Ouais. On enchaîne sur la carpe avec toujours quelques beaux spécimens. Donc oui, pendant... ça fait pas mal d'années que je pêche un peu la carpe. J'ai fait pas mal de compétitions. J'ai participé à plusieurs championnats de France, les Masters Media Carpe. J'ai fait de nombreux enduros. La compétition en plus, t'as cet esprit de compétition, de gagner en plus. Ouais, et j'aime bien mettre des objectifs dans la vie. C'est vrai que quand on arrive à réaliser ses objectifs, que ce soit être sur le podium ou à prendre le poisson qu'on veut, qu'on traque, c'est vrai que le plaisir est encore plus grand Bien sûr. Là, c'est vraiment une folie de toute beauté. C'est le genre de poisson qui n'a pas besoin de dépasser cette fameuse barre fatidique des 20 kilos pour nous ravir, pour nous régaler les yeux. Tout à fait. Vraiment de superbes poissons. Encore une autre variété. Tu as aussi Qu'est-ce que c'est vraiment la technique ou tu l'as, comme on dit, pour nous prendre toujours les plus beaux poissons partout où tu vas? Ah, ça... En plus, j'étais allé dans ce plan d'eau juste pour ce poisson. J'étais parti pour un 72 heures et ce poisson a mordu au bout de 24 heures. On va dire qu'il y a une grosse partie de chance aussi. D'accord. D'accord. Bah, la chance, malheureusement, bon, il faut l'admettre, c'est toujours un facteur inévitable. On arrive toujours à essayer de réduire l'intervention de cette part de chance. Oui. Elle est toujours existante. On arrive maintenant sur la série des esturgeons que tu as eu la bonne idée de nous faire crescendo comme séquence. Donc, oui, tu nous parles de la variété des poissons, parce que moi-même, je sais à quoi ressemble un esturgeon, mais je n'imaginais même pas qu'il y avait autant de variétés en France. Combien de variétés de poissons? Donc, il y a de nombreuses espèces dans le monde, déjà. En France, on en trouve une petite dizaine. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais les plus courantes, les plus connues, le trans. Le transmontanus, pour le plus gros de France, qui fait entre 50 et 60 kilos pour plus de 2 mètres. On trouve aussi les berries, après, qui font une quarantaine de kilos pour les plus gros. Et après, il y a de nombreuses espèces, des espèces qu'on trouve très peu, qui sont très rares, qui sont protégées, comme le nacari, le sterlet, le golden, le diamant, le hassy pincer, plein d'autres sortes. Quoi. Donc, par variété d'esturgeons, on ne va pas les classer, on ne va pas les hiérarchiser, mais il y a quand même certaines variétés qui seront de toute façon plus grosses que les autres. Alors, est-ce que tu recherches plus soit la taille, soit le poisson dans chaque catégorie de... Je me suis fixé comme objectif d'attraper tous les plus gros de chaque espèce. Mmh. C'est vrai. Les 7 plus grandes espèces qu'on trouve en France, je détiens 5 records. On va dire de France non homologué, parce que c'est dur, c'est un poisson qui est dur d'homologuer, car il change très souvent de poids. C'est un poisson qu'on peut attraper de nombreuses fois dans le week-end, voire même dans la journée. Donc n'importe qui peut avoir le record, donc c'est surtout des records personnels. Donc voilà, un beau berry si je ne me trompe pas. Voilà, un berry, ouais. Ça commence déjà à être de beaux spécimens. Donc je reviens là-dessus. Tu as quand même, au fur et à mesure de tes recherches, de tes pêches, de tes tracks maintenant, parce que c'est devenu comme une obsession, tu as réussi à réunir 5 records
sur cette variété. Cette espèce. J'espère faire les deux autres cette année. Tu sais où les chercher déjà? Ah oui, c'est déjà réservé. Bon, on n'y voit pas de secret. Non. Puis malheureusement, c'est un poisson qu'on pêche que dans le privé, qu'on ne trouve pas dans le public. J'espère que ça viendra un jour. Toujours le berry. Ouais. On va ensuite passer, si je ne me trompe pas, à une autre variété. Alors ça, c'est même moi, des fois, je mélange parce que quand ils sont petits, après ils grossissent, ils changent de couleur, de forme des fois. C'est donc, golden ou c'est nakari c'est... C'était un petit golden, ça. Un petit golden. Un petit golden, ouais. D'accord. Et en golden, donc on n'a pas parlé du poids maximum pour l'instant connu des golden. Bah, le poids varie beaucoup. Le plus gros de France, à l'heure actuelle, il fait, j'ai attrapé en fin d'année dernière, il faisait 28 kilos. Mais c'est un poisson qui a pris 5 kilos en un an. Ah oui. C'est énorme, c'est énorme. 5 kilos en un an. Ouais, c'est hallucinant. Il était pris. Ça, c'est le plus gros sterlet de France, ça. Ça, c'est le plus gros sterlet. Donc celui-là, il fait 12 et quelques kilos. C'est des poissons, en principe, qui dépassent jamais les 6-7 kilos. Donc c'est pour ça. Bon, celui-là, il avait un peu les nageoires coupées. Donc sa relative petite taille, sans lui manquer de respect, c'est pas parce qu'il a été récemment introduit, c'est qu'on a atteint sa taille quasi maximale. Là. Voilà. Génétiquement, c'est pas un poisson qui va atteindre la taille d'un transmontanus de toute façon. Non. C'est même exceptionnel d'avoir un poisson déjà de cette taille-là. Et toujours. Donc ça, c'est pareil, toujours un petit. C'est surtout pour la beauté du poisson, il n'y a pas besoin que le poisson soit gros pour qu'il soit beau. Ah, ça commence à causer, comme on dit. Donc là, c'est un transmontanus. À l'époque, c'était le plus gros du poisson rouge. Donc le poisson rouge, c'est un petit plan d'eau privé qui se situe sur Dijon, où j'ai l'habitude d'aller. En dessous de Dijon? Oui, car on y trouve 5 espèces d'esturgeons pour 35 esturgeons. Donc c'est vrai que quand on va là-bas, c'est vraiment pour faire de l'esturgeon. Donc c'est assez plaisant, on ne sait jamais ce qu'on va sortir. Donc c'est toujours une partie de plaisir à sortir. Celui-ci aussi a une robe vraiment spéciale. Alors ça, c'est un esturgeon pareil, qui est vraiment spécial, qu'on trouve pas de partout en France. C'est un diamant. Le diamant du fait justement de cette écaillure particulière, voilà. Qui fait penser au prisme des diamants. Qui sont très coupants d'ailleurs. Très coupantes. Comment? Qui sont très coupantes. Ouais, c'est très coupant, ouais. Ça ferait vraiment des pointes, vraiment comme des diamants. Donc aussi, je dirais, agressif pour tes propres mains que pour tes lignes, tes montages. Alors, c'est un poisson que je pêche tout simplement comme la carpe. Je le pêche en tête de ligne de 40 centièmes, avec des balines de 50 centièmes en fluorocarbone, montées sur des hameçons de 4 ou 6 en D-ring. Donc ça, c'est un des plus beaux de France. Ça, c'est mon préféré, c'est le Nakari, celui-là. Les couleurs sont splendides. Ah, celui-là, il est magnifique. Peut-être que c'est même l'écran qui réchauffe un peu la couleur, mais ça n'en reste en tout cas une robe vraiment particulière. Bah, j'ai voulu ressortir quand même... un peu les couleurs pour faire voir aux gens comment ce poisson est magnifique. Donc c'est un poisson qui est protégé. Il y en a très peu en France. Donc celui-là, c'est le plus gros. J'ai eu la chance de l'attraper deux fois. Mais c'est vrai que c'est un poisson qu'on a toujours le plaisir de sortir. On enchaîne des esturgeons toujours. Donc voici le plus gros golden de France. Donc que j'ai dû attraper. Là, c'est au mois de juin cette photo. Mais je l'ai rattrapé. Maintenant que tu l'as attrapé, tu dis où il est? Au même endroit que j'ai pris les autres, au poisson rouge. D'accord. Un site est exceptionnel, où vous pouvez attraper de nombreux poissons, vous faire plaisir. Par contre, l'attente est longue pour pouvoir pêcher. Et là, des photos de... Ah. Oui, vraiment, ça, c'est des photos qui parlent d'elles-mêmes. Ouais, on note bien cette passion que tu as pour ces poissons. Le plaisir d'embrasser le poisson pour le remettre à l'eau après des longs combats. C'est vrai que les surgeons peuvent nous faire des roches, nous sortir 200 mètres de fil. Avec des combats qui durent de 1h30 jusqu'à 2h. Donc c'est vraiment, vraiment intense. Donc, des combats spectaculaires, les fameuses chandelles qui caractérisent. Donc, j'allais y venir à la chandelle. Donc c'est un poisson au ferrage qui, pour certaines espèces, effectivement, fait des chandelles. Donc quand vous avez un poisson plus de 50 kg qui sort de l'eau, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Ça fait comme en mer. Avec ce poisson-là, on finit en apothéose. Là. Il y a même une photo, la 24 de mémoire. Ça, c'est mon plus gros pour l'instant, à l'heure actuelle. C'est un poisson qui faisait plus de 40 kilos. Donc, mais c'est pas mon plus gros combat. C'est pas celui qui m'a donné le plus de sensations. D'accord. Ouais. C'est un peu comme la carpe. Hein. C'est pas parce que le poisson est gros qu'il va plus tirer, mais c'est un poisson qui est quand même tout en puissance. C'est vrai que l'esturgeon, c'est vraiment un poisson qui est tout en puissance. C'est quasiment que du muscle.
C'est vraiment une partie de plaisir à sortir. Ouais, j'imagine. Et après cet album photo qui ferait pâlir d'envie plus d'un, j'aurais envie de te demander, est-ce qu'on peut essayer d'orienter clairement notre pêche, par exemple, deux carpistes, et dire, il y a une technique, une façon de faire, des montages qui font que tu vas cibler et essayer de sélectionner les touches des surgeons plutôt que celles de la carpe. Oui, oui, on peut tout à fait cibler les surgeons. C'est un poisson qui cohabite pas trop avec la carpe. Je prends exemple du poisson rouge vert régulièrement. L'esturgeon va surtout rester en pleine eau, tandis que la carpe elle va plus rester en bordure, dans les endroits encombrés. L'esturgeon aime bien les endroits propres, il aime bien quand c'est propre, il ira jamais se réfugier dans les branches pour se décrocher. Donc c'est un poisson qui est assez facile à cibler, qui n'est pas compliqué à pêcher. C'est un poisson qui n'a pas de mémoire déjà. Oui, parce qu'on le reprend jusqu'à plusieurs fois dans la même journée. Dans la même journée, ça nous arrivait de prendre le même 4 fois dans la même journée. L'avantage c'est que au moins. On va pas l'insulter, mais c'est quand même pas très fin. L'avantage c'est qu'il s'abîme pas comme la carpe, ce qui se déchire pas sur les côtés, comme ils ont une gueule dessous, donc ça les abîme pas, c'est ça l'avantage. Après c'est un poisson qui est très gourmand, qui mange sans arrêt. L'avantage c'est qu'on peut le prendre toute l'année parce que c'est un poisson d'eau froide. Donc c'est ça l'avantage, c'est que quand on va le pêcher, on est obligé d'en attraper quoi. C'est ça, tandis que quand on veut aller pêcher la carpe, on veut traquer une carpe, on peut attendre des mois, et des fois elles peuvent se faire prendre qu'une fois dans l'année. Tandis que là, les surgeons, on a vraiment tout le monde a ses chances. Même s'il vient d'être sorti. Son métabolisme ne subit pas les mêmes variations de production en termes de digestion haute. Voilà. Ce n'est pas lié vraiment à la température de l'eau. Un poisson qui mange énormément. Il adore ce qu'il faut savoir, c'est qu'il adore les choses carnées, très grasses. Donc c'est un poisson qu'on pêche beaucoup au pelet. Au pelet avec des bouillettes carnées. Je prends exemple chez Fun, la Mad Dog à base de frolic et la nouvelle Spicy Cannibal à base de farine de viande, de foie et d'épices. Alors celle-là, il va... C'est tout indiqué. Là, il va en raffoler. Et sinon, sa chose préférée, c'est le saucisson. Et tu nous as amené justement le petit montage. Tu l'as pas baptisé Justin Bridé non plus quand même. Ah si, même dans le saucisson, je mets toujours de la marque. Je te laisse me présenter, j'ai vraiment besoin de mes deux mains, vas-y. Donc là, voilà, c'est un montage d'airing. Donc avec des petits saucissons Justin Bridé pour l'apéro. Donc j'ai ça sur un cheveu que je coupe à chaque extrémité pour bien que le gras se dégage, comme les surgeons aiment bien le gras. Et éché d'un petit dumbbells salmon tuna, et bien trempé dans du bouse bien gras avec des sticks. Alors ça il en raffole sur un petit tapis de pelet. Ça, les surgeons on est très friands. Ouais. Donc ça c'est un de mes montages préférés. Après il y en a plein d'autres, mais il faut rester assez simple. Vous mettez un bout de saucisson ou même du chorizo, c'est très bien. Avec cette petite parenthèse, tu vises le sponsoring par Justin Bridé maintenant. Tu leur demandes un petit geste peut-être. Oui, pour voir. Les quantités que tu en utilises à l'année. J'aurais peur que ça me fasse prendre plus de poids parce que. Et maintenant, cette pêche de l'esturgeon qui est aussi un petit peu plus spécifique, est-ce que tu penses que ça va connaître le même essor? Ça va réunir autant d'adeptes que l'a fait notamment le silure? Est-ce qu'on va assister à la naissance d'une gamme développée spéciale Nénès, juste pour les esturgeons? Bah, c'est un poisson qu'on parle de plus en plus déjà. On voit de plus en plus de monde, de pêcheurs en photo sur Facebook avec des esturgeons. De plus en plus de plans d'eau commencent à l'introduire si tu as de fortes demandes. Donc oui, pourquoi pas. Après, ça sera un poisson qui est quand même pas du tout comme les silures. L'esturgeon, c'est un poisson qui est tout en puissance, qui a rien à voir. Tandis que le silure, c'est un poisson qui va plus tenir le fond, plus vous traîner. Donc c'est pas du tout le même plaisir. Donc, personnellement, moi, je préfère sortir un esturgeon de 2 mètres qu'un silure. Après, avoir une gamme exprès pour les surgeons, je pense pas, car ça serait une gamme qui resterait assez simple quand même. Moi, depuis les années que je pêche, j'ai essayé de nombreuses techniques de montage et d'appât. On en revient toujours au même. Une gamme qui ressemblerait de trop près à celle destinée à la carpe, de toute façon. Voilà, les plus classiques. Pourquoi peut-être pas essayer de trouver un clonk exprès pour les surgeons, car les surgeons, c'est un poisson qui réagit beaucoup au bruit. C'est vrai que quand je dis aux gens, aux personnes, que quand je vais pêcher, j'amorce qu'avec des graviers, il me regarde avec des yeux, je dis oui, vous jetez 1 kg de pelet, par contre vous emmenez 10 kg de cailloux de gravier pour la journée, vous frondez sans arrêt. Et on fait des rappels au bruit. Et vous arrivez à faire 15 poissons dans la journée, rien qu'au bruit, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Un petit tuyau économique que Florent nous livre, allez, ouais. C'est gratos, c'est cadeau. Voilà, c'est une petite astuce, petite technique, ça sert à rien des fois d'en jeter. On me dit il faut en jeter des kilos, mais les surgeons réagissent des fois plus au bruit. Après, s'il est dans la période d'alimentation, là c'est sûr vous pouvez en mettre, ça dérange pas. Mais ça sert à rien de trop en jeter, mettez plus des graviers, ça coûte moins cher. Ben j'espère qu'en tout cas, par ces images, ces interviews, ces explications, ça va susciter des envies, de la curiosité de beaucoup d'autres pêcheurs qui vont peut-être probablement essayer d'atteindre ce niveau de qualité d'album photo.
Florian, merci d'être venu et de nous avoir accordé ce moment. Bah, merci à toi Stéphane, surtout pour l'invitation. Avec J'espère te retrouver à mes côtés pour partager une session ensemble à l'Esturgeon. Ah, mais on habite loin l'un de l'autre, tu sais, au moins 45 minutes de route. Je pense que ça va se faire cette année. Avec grand plaisir. Merci Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, ciao.